Un réfugié, c'est quoi ? Un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui son pays parce qu'il y est persécuté, à cause de la guerre, de son ethnie ou de ses croyances. À ne pas confondre avec le migrant qui lui quitte son pays pour des raisons professionnelles, personnelles ou culturelles. En 2015, nous comptions dans le monde 240 millions de migrants, soit 3% de la population mondiale. En 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, ces migrants représentaient 5%. Parmi ces migrants, ne figurent que 53 millions de réfugiés. À l'échelle mondiale, cela ne représente que 0,7%. De plus, leurs premières destinations sont les pays limitrophes. En 2010, il n'était seulement que 1/5 à prendre la route de l'Europe. Sur cette minorité de migrants, les médias et les réseaux sociaux véhiculent beaucoup d'idées sur les réfugiés, et elles sont parfois fausses. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Ces stéréotypes maintiennent les gens dans l'ignorance, et donc la peur. Et pourtant, ici en Europe, leurs cris font tant de silence.